J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Tout se passera bien, chérie. La dernière fois que j'ai fait un discours, c'était au lycée. Madame Steinberg m'avait mis un c'moi. Eh bien, Madame Steinberg serait fière de toi aujourd'hui. Eh, ça va le faire, papa. Sérieusement, t'as sauvé Spider-Man. Je suis sûr que ça fait de toi un vrai super-héros. Un super-héros? Ouais, ou disons plutôt que je suis un dur à cuire. Viens, chérie. Bienvenue à tous. Avant de donner la parole à Monsieur le maire, j'aimerais vous dire quelques mots. C'est une chance pour notre... Alors ? Je crois que cette guerre des gangs est enfin terminée. Et maintenant, genre, terminée pour de bon ? Je crois. Je veux dire, à part quelques détails qui restent à régler. Des détails ? Eh bien, j'ai vu un camion de la société Consolidated Shipping quitter les lieux. Et il y a quelque chose de pas net. Mais je sais pas quoi. On pourrait aller prendre un café après ça, et résoudre cette énigme. Ouais ? Eh bien, merci beaucoup. Je n'aurais pas dit mieux moi-même, mais je vais essayer. Nous savons tous que l'agent Davis est un héros. Mais, on pourrait peut-être dîner ensemble au lieu de prendre un café. Je pourrais venir chez toi, je cuisine. Ou alors, on pourrait se retrouver dans un lieu parfaitement neutre. Bon, un repas tout à fait normal. Cuisiné par des professionnels. Ainsi, pour ces actes d'une bravoure extraordinaire, dépassant de loin l'appel du devoir, j'ai l'immense privilège de remettre à l'agent Jefferson Davis la médaille d'honneur du département. Téléphone, monsieur. Je suis un peu occupé pour l'instant, Jim. Ça semble urgent. Toutes mes félicitations. Merci, monsieur le maire. Je dédie cette récompense à ma famille, à ma femme, Rio, et à mon fils, Miles. Sans leur soutien, je ne serais pas là aujourd'hui. Allô ? Ça fait des années que j'attends ce moment. Qui est à l'appareil ? Dans les jours à venir, votre société, votre ville et tout ce à quoi vous tenez vont disparaître. Les gens vous supplieront de les aider, mais vous ne pourrez rien faire pour les sauver. Écoutez, sombre crétin, des menaces comme celle-là, j'en reçois à l'appel. Et si vous veniez me dire en face ce que vous voulez ? Vous regardez souffrir. Tu m'entends, mon chéri ? Tu m'entends ? Peter !
Lucy! Je vais aller chercher ton père! Peter! Peter, réponds! Allez, parle-moi, je t'en prie! Retrouver papa, d'accord? Non. Miles, papa. Non. Miles, non. Papa est ici. Je vais le trouver. Miles. Thank you.
feu juste là. Je dois l'aider. Fonce. Détonneur! Shooting you, Tom. Je suis là, papa. Non! Ça suffit! Nous devons partir! Tout de suite! Papa, non! Réveille-toi, papa! Réveille-toi, allez! Réveille-toi! Toutes mes condoléances. Est-ce qu'on se connaît ? Je suis Peter Parker. J'étais à l'hôtel de ville quand... Écoute, je sais qu'on ne se connaît pas, mais... Je voulais seulement te dire... Je comprends ta douleur. C'est bien ce que t'allais dire, pas vrai ? Ou... La douleur s'estompe avec le temps. Ou ne t'en fais pas. C'est Dieu qui a un plan pour tous. Je suis désolé, j'ai essayé seulement de... Seulement de m'aider. Je sais. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas comment je vais faire avec lui. Je suis désolé, Jeff. Je suis occupée. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez lancé les recherches sur Martin Lee ? Non. Je vous ai dit que je pouvais pas engager une chasse à l'homme sur la base d'une intuition de Spider-Man. Mais puisque je vous dis que c'est votre homme ! Apportez-moi des preuves tangibles et on en reparlera. Des preuves tangibles ? Super. Salut, c'est moi. Salut.
Alors, comment tu te sens? Comme quelqu'un qui a merdé, et à cause de qui un gamin a perdu son père. Je te connais trop bien pour essayer de te convaincre du contraire. Et la police? Ils ont des pistes sur Lee? Non, ils le cherchent même pas. Même Yuri me croit pas. Alors c'est à nous de le retrouver. J'ai fait quelques recherches. Rends-toi à cette adresse. Martin Lee a acquis une participation majoritaire dans ce centre de tri l'année dernière. Tu penses que c'est là-bas qu'il se cache? Possible. On sait qu'il n'est pas au fils. S'il n'est pas non plus au centre de tri, il y aura peut-être des indices qui permettront de le retrouver. Ouais. Beau travail, MJ. Je t'appelle si je trouve quelque chose. Oh, une dernière chose. Un inspecteur m'a parlé des démons qui sont interrogés. Ils prétendent tous que Martin Lee a la capacité, je cite, de corrompre la population. Corrompre? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils disent que c'est un genre de contrôle mental qui fait ressortir ton côté négatif. Tu fais des choses que tu ferais pas d'habitude. Ouais, un peu tiré par les cheveux pour moi. De la part d'un type qui court sur les murs, c'est le comble. Demande de renfort immédiat pour maîtriser plusieurs véhicules dangereux. Unité dans le secteur, rendez-vous à Hamilton Heights. Aujourd'hui est un jour de deuil. On se recueille et on rend hommage aux héros disparus comme Jefferson Davis. Mais c'est aussi aujourd'hui qu'il faut clamer « Plus jamais ça ». Ça s'arrête maintenant. Certains affirment que je mets tout sur le dos de Spider-Man. Alors non, je ne l'accuse pas pour l'explosion. Cet acte est celui d'un être lâche et immonde qui en est le seul responsable. Mais si nous voulons continuer à protéger New York, nous ne pouvons plus tolérer l'anarchie dont Spider-Man et son engeance font la promotion. Ceci est notre ville. Et nom de nom, nous allons la reprendre. Ces caméras sont pas données? Si Felicia est fauchée, pourquoi est-ce qu'elle les laisse traîner? J'adore te voir courir, Spidey. Un jour, je te laisserai peut-être me rattraper, mais pas aujourd'hui. Ah ah! Black Cat est vraiment très joueuse. Surtout avec moi. Le tuyau d'MJ était juste. Cet endroit grouille de démons. Je dois me débarrasser d'eux. Je ferai du repérage après.
Ok, le compte est bon. Une serrure haute sécurité. C'est plus courant dans les banques que dans les centres de tri. Je pourrais peut-être trouver d'où vient l'alimentation. Je devrais pouvoir contourner le circuit. Il me faut mes toiles électriques. Bon, au moins ça marche. Mais on dirait que les circuits ont besoin d'un peu plus de jus. Je dois trouver une boîte de dérivation. Et voilà. Le circuit a l'air encore stable. Il y a peut-être une autre boîte de dérivation dans le coin. Trouvé. On y est presque. Encore une et ça devrait être bon. Et voilà! Oh, waouh. Ça doit être là qu'il compte frapper. Attends, c'est le bureau de campagne d'Osborne. Tous les itinéraires partent de la même adresse. Mal de matos high-tech. Peut-être que je pourrais recycler tout ça pour m'en faire des armes. Ce sont des explosifs du chantier de Fisk. Ça vient de l'armurerie de Fisk.
camion piégé? C'est dingue! C'était pas une guerre de gang. Les démons n'ont volé Fisk que pour s'en prendre à Osborn. Salut, t'as trouvé Lee? Non, mais t'avais raison. Lee utilise cet endroit comme planque pour les démons. Y a des bombes, des armes. Oh, c'est pas vrai! Et on dirait qu'il prépare une autre attaque. Cette fois contre le bureau de campagne du maire. Lee doit avoir une dent contre Norman Osborn. J'ai trouvé une adresse. Je crois que c'est leur base d'opération. Si je me dépêche, je devrais pouvoir les arrêter. Sois prudent. Yori, c'est moi. Faites vite, mon chef m'attend pour me passer un savon. Martin Lee et les démons préparent une nouvelle attaque. Cette fois contre le bureau de campagne de Norman Osborn. Vous êtes sûr? Parce qu'on a eu pas mal de fausses pistes cette semaine. Faites-moi confiance. Je vous envoie l'adresse d'un centre de tri. Vous y trouverez toutes les preuves dont vous aurez besoin. Entendu. Je vais faire évacuer ce bureau de campagne. Mais si je fais ça pour rien, vous aurez mon licenciement sur la conscience. Selon mes sources, la Magia prépare son grand retour. Ces vieilles familles du crime avaient été éradiquées, mais depuis la disparition de Fisk, elles comblent peu à peu les vides. Les anciens parrains travaillaient en harmonie depuis des années, mais avec cette place vacante, on devrait assister à une lutte pour le pouvoir. D'ici peu, l'une des familles s'en prendra aux autres. Je vais devoir recontacter mes sources dans la police. On pourra peut-être étouffer cette montée du crime, qui sait. Ça parle des familles de la Magia. La pègre? Je croyais qu'ils avaient disparu en même temps que les pattes d'Ef, moi. Oh, les ringards. Elle était en déclin, mais depuis le départ de Fisk et des démons, la Cosa Nostra fait son comeback. J'adore quand tu prends cet accent. Tout doux, mon grand. Tu sais que le FBI a fait une descente dans la Magia le mois dernier? Ouais, bien sûr. L'un des parrains avait une œuvre d'art disparue qui s'appelait la Maria. Et maintenant, elle est au Moka, à Manhattan. Et donc? D'après une de mes sources, l'une des familles a prévu de le récupérer. Ce soir. J'ai l'impression que c'est pas juste une histoire de toile et de peinture. Je vais faire un saut au musée. MJ, je crois que ta source avait raison. Il y a un petit groupe de malfrats qui essaie d'entrer. Reste en ligne, je vais voir ça de plus près. Sois prudent. Si ces types sont de la Magia, ils ne plaisantent pas. Allez, grouille-toi. Le patron veut ce tableau. On doit déjà être sorti. Si tu veux essayer, vas-y. C'est fou ce que les gens sont prêts à faire pour éviter de payer plein tarif. Et les gardiens? Le patron a dit que s'ils jouent au héros, on tire sans sommation. Il plaisante pas, hein? Mais ça prend pas à Spider-Man. De leur faire une démonstration de l'art de neutraliser les criminels.
respect. J'ai déjà vu ces types. C'est Federico Frezzelli et Sal Patrillo. Ces types sont avec Hammerhead, non? Pourquoi il veut la Maria? C'est pas vraiment son style. Je vais faire le tour. Je vérifie qu'il n'y en a pas d'autres. Et je te dirai si je trouve quelque chose. La porte principale est encore fermée. Je devrais vérifier les autres entrées. Même pas foutu de se garer correctement. Une seconde, c'est quoi ça? Non, personne n'est passé par ici. C'est quoi ça? MJ, il y a une ouverture dans une vitre. Je vais voir. Alors, pendant que les gars de Hammerhead essaient d'entrer par devant, quelqu'un d'autre est entré par le toit? Ouais, on dirait bien. Je vois personne. Mais alors, personne. Il devrait pas y avoir des gardiens de nuit? Si. Va voir au poste de sécurité à l'entrée, peut-être. Et il y a sans doute des caméras là-bas. Elles ont dû filmer l'intrusion. Une lampe torche? Je ferais bien d'aller voir ce qui se passe au poste de sécurité. Le poste de sécurité est verrouillé. Il me faut une empreinte pour entrer. Tu trouveras peut-être des indices à l'intérieur. Y a moyen de pirater la serrure? Passons la main d'un gardien. Une empreinte de la main, précisément. Si tu ne croises pas les gardes, tu trouveras peut-être leurs empreintes sur ce qu'ils ont touché. Ah, ouais, bonne idée. C'est toujours un plaisir de donner un coup de main. Bon, si j'étais une empreinte de main... Où est-ce que je serais? Je sais qu'il y a une empreinte par ici. Il suffit de la trouver. Ah, j'ai oublié de scanner l'empreinte. Je sais qu'il y a une empreinte par ici. Il suffit de la trouver. Ça pourrait marcher. Mais le 12 vertical, je verrais plutôt karaoké que kumquat. Bizarre. On dirait que les gardiens ont disparu. Alors, où est-ce que je vais trouver d'autres empreintes partielles ?
Une tasse de café, elle est tiède. Encore une, génial. Des gardiens dignes de ce nom laisseraient pas leur matériel. À moins qu'ils soient pas partis volontairement. Je me demande s'il y a une empreinte. Bon, je devrais avoir assez d'empreintes partielles pour reconstituer une empreinte de main. Je devrais pouvoir reconfigurer le scanner pour qu'il accepte mes données. Si je contourne le capteur optique, je pourrais envoyer mes propres données ? C'est bon, j'envoie l'empreinte demain. C'est ouvert. Super, qu'est-ce que tu vois ? Ils sont vivants. On dirait qu'ils ont été endormis. Aucun signe de lutte. C'est pas le genre d'Hammerhead. Mais si c'est pas Hammerhead, alors c'est qui ? Y a une vidéo ? Je vais voir. Quelqu'un a désactivé la caméra 5. Ah, ça c'est louche. Je vais la réactiver pour voir ce qu'il voulait que personne ne voie. Elle est tournée vers l'un des tableaux de l'exposition. Ah, c'est sûrement la Maria. Il a pas encore été volé. Je dois aller voir de plus près pour trouver ce qu'il a de si spécial. Maria est un exemple parfait d'impressionnisme pastoral moderne. L'histoire de ses nombreux vols et réapparitions est presque aussi passionnante que l'œuvre en elle-même. Ce tableau m'a l'air plutôt normal. C'est le cas. Il y a des trucs bien plus précieux dans ce musée. Alors pourquoi la Magia est tellement obsédée par cette œuvre ? Attends, MJ, quelqu'un arrive.
Ouvrez l'œil. Spider-Man est peut-être encore ici. Ah merde. Elle est derrière une vitre de sécurité. Hé, dites à Frank qu'on va devoir sortir les gros calibres. MJ, les gars d'Hammerhead ont appelé des renforts. Ils m'ont pas encore repéré. Tant mieux. Fais en sorte de rester invisible. Soyez vigilants. La spéciale Spider-Man est au point. Si ça tourne au vinaigre, je me tire. J'aurais dû l'amener. On n'arrivera pas à casser cette vitre de sécurité. Occupe-toi de ton boulot et laisse les autres s'occuper du leur. Oh merde ! Là, Spider-Man ! Les flics vont pas tarder. Ah, fais chier. On pense qu'on peut et on se tire. Génial! Ils piquent les autres œuvres. On doit les arrêter avant qu'ils arrivent à sortir. Bon, y a qu'une seule issue. C'est celle où ils sont entrés. Je vais t'aplatir! Occupez-le! Je suis presque à la sortie! Je peux pas les laisser filer! Bien tenté, Spider-Man! Mais tu peux plus m'arrêter! Bon, y a qu'une seule issue, c'est celle où ils sont entrés. Il en a bien tapassé! Plutôt à la boutique des souvenirs. Ça a l'air cher, ça. Je dois rejoindre la sortie avant l'eau. Laisse-moi sortir de là. Répétez tes plombages. Il est en train de filer! Dommage, loser! Je rentre au bercail! Bon, il n'y a qu'une seule issue, c'est celle où ils sont entrés. C'est moche.
sortir. Je dois y arriver. J'essaie de voler des œuvres. Hé hey, je peux plus bouger. Ça passe plutôt à la boutique des souvenirs. Il est en train de filer. On peut rien faire contre ces toiles. On y est. Je dois rejoindre la sortie avant eux. J'entre au bercail. Bon, il n'y a qu'une seule issue, c'est celle où ils sont entrés. C'est moche. Laisse sûrement faire. Fais-toi, ce machin. Ça t'apprendra le respect. Occupez-le! Je suis presque à la sortie! Je peux pas les laisser filer! Passe plutôt à la boutique des souvenirs! Il est en train de filer. Viens de battre. T'es un homme mort. Laisse-moi sortir de là. Pour te consoler, je t'enverrai un poster de cette œuvre pour ta cellule. Ça marche? Comment je fais ça? Je vais en vendre sur le net. On y est presque. Je dois rejoindre la sortie avant eux. Dommage, loser. J'entre au bercail.
Consolidated Shipping. Y a du monde. Faut que j'essaye d'y aller discrètement. Mais aussi avec style. La facture d'un garage. Pale Horse Rides. Eh bon, ça fait plaisir, on dirait. Qu'est-ce que je peux bien trouver d'autre ? Ils sont des bases aux quatre coins de la ville. C'est pire que ce que je pensais. Les démons disposent carrément d'une armée. Comme si un seul foie mortel suffisait pas. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais clairement pas à ça. MJ, je crois que j'ai fait échouer l'attaque des démons contre le bureau de campagne d'Osborne. Bien joué. Est-ce que t'as trouvé ? Non, mais j'ai trouvé quelque chose qu'il faudrait creuser. Un endroit appelé Pale Horse Rides. Ça me dit quelque chose. Je vais vérifier, je te tiendrai au courant.
Harbor, nous nous dirigeons vers l'emplacement. En voilà un autre. Paré à tirer. C'est nouveau, ça. Non, celui-là est pour moi. Oui. Je vais lui mettre une balle à ce fils. Hé ! C'est pas comme ça qu'on fait ! Chier ! Nous ! Code SM1. Wow ! Et avant de commencer, on pourrait se présenter ! Code SMA. Nous attendons les ordres. Reçu code SM1. Visuel confirmé. Attendez Silverbird. Ah, sur l'échelle de je me la raconte, c'est 8 sur 10. Ok, 9 sur 10. Relâchez-le. Il est avec nous. Yori, vous pouvez m'expliquer ? Voici Silver Sablinova. Elle dirige Sable International. Une force de sécurité privée. Elle a été engagée par le maire Osborne. Ah, le maire a son armée perso maintenant ? La prochaine fois que vous êtes dans mes pattes, je serai pas aussi gentille. Allez-y. On se voit plus tard. Avec Sable. J'aurais dû vous en parler plus tôt, mais c'est arrivé si vite. C'est pas grave, je suis toujours votre meilleur ami. Vous êtes pas mon meilleur ami. Là, vous me faites de la peine. Bref, Sable est dans les petits papiers du maire et a pour ainsi dire carte blanche. Nous avons trouvé de nombreux indices sur l'attentat à l'adresse que vous nous aviez fournie, mais rien qui n'incrimine Martin Lee. J'y travaille. Salut MJ. Bon, j'ai des infos sur les autres commerces détenus par Martin Lee. Il possède des propriétés partout dans la ville. Ouais. Les endroits correspondent à cette carte que j'ai trouvée dans la boîte de transport. Je dirais faire un tour. Tu me diras ce que tu trouves dans chaque bâtiment, que je puisse... Mon badge de l'ESU pour le semestre où j'ai bossé comme assistant. Moi, j'ai pas pu continuer. Mais je me vois bien enseigner à nouveau un jour. Ouais, MJ, comme je te disais, je vais jeter un œil aux autres adresses. Tu me diras ce que tu trouves dans chaque bâtiment, que je puisse monter un dossier. Ça marche. Je me rends au centre Fist, voir si je peux en apprendre plus sur ses motivations. Et sur ce qu'il a derrière la tête. D'accord. Passe le bonjour à Meg, ma part. Attends, tu penses pas qu'elle est en danger, quand même ? Non ! Lee n'a qu'une seule cible en tête. Norman Osborne ! Appel manqué de Doc. Peter, je voulais m'assurer que tu étais toujours disponible. Je ne peux pas encore te payer, mais j'ai fait jouer quelques leviers pour éloigner les charognards. Si on se remet sur les rails, je sais que cette nouvelle version du projet attirera les investissements. Du genre passif. Tiens-toi prêt. Je croise les doigts et les orteils, Doc. Pour
Ah, je vois clair dans votre jeu, vilain ronchon. Je sais que vous m'adorez, et moi aussi je vous adore. Les démons ou sable? Je sais vraiment pas quel est le pire. J'en ai vraiment marre de vos bêtises là! Je devrais réclamer une fiche de paye à Silver Sable. Envoyez-nous une équipe. Je veux qu'on cuisine ces démons. Alors, Spider-Man. Ici le central, tenez-nous au courant sur Corlear's Hook. Notre transport est pris pour cible par les démons. Allez, passe ton tour. Je voudrais pas que ceux qui sont à l'intérieur se sentent lésés. MJ, je suis au premier endroit de ta liste. Devine ce que j'ai trouvé. Des démons? Et un bon point pour la demoiselle. Essaie de voir ce qui mijote. Moi, je vais aller me présenter directement. Surprise. Tu devrais faire une petite sieste. C'est fini.
Son problème, c'est que t'es pas attentif. Au taquet, parce que vous comprenez là. Grosse déception. Peter, apparemment, cet endroit importe des souvenirs pour les boutiques de Chinatown. Qu'ils importent, mais pas vraiment ce que j'ai envie d'avoir chez moi comme souvenir. De la drogue? Des démons. On dirait qu'ils font venir leurs petits copains dans des conteneurs. Maintenant qu'on retrouve chez nous des criminels chevronnés étrangers. Moi j'avoue, j'ai épuisé toutes les bonnes vannes sur le dos. Mais ça me dérange pas de répéter. Son quatrième rappel et que toi t'as juste envie de rentrer. C'est moi qui rigole. Bientôt.
MJ, tu peux appeler la police. Les démons sont neutralisés. N'oublie pas de me ramener un petit souvenir. Est simple mais essentielle. Elle mesure les toxines dans l'air avec une précision bien supérieure à ce que sait faire la ville. La pollution touche en premier les enfants et les personnes âgées. C'était important pour ma mère. Si j'en crois ces données, le taux de dioxyde de soufre est anormalement élevé. D'après mon intuition d'araignée, c'est sûrement dû à un problème de pot d'échappement. Avec des échantillons, je devrais pouvoir identifier le modèle en question. Moi, je sentais bien mauvais. Allez, encore quelques-uns. Ça devrait être bon. Meurs pas, Spidey. Courage. Ça y est. Ok. Nous avons apparemment trois coupables. Je vais devoir prendre des photos maintenant. Ah, la photographie. Comme au bon vieux temps du Bugle. Tout était si simple à l'époque. Et d'une.
Jamais 203. Et voilà. L'ordre de rappel devrait bientôt suivre. Merci l'araignée sympa et éco-responsable du quartier. Peter. Si tu gères cet endroit pendant que Monsieur Lee est absent, qui s'occupe de ton ancien travail? Moi. Mais un peu d'aide est toujours la bienvenue. Tu connais quelqu'un? Oui, ça se pourrait bien. Il s'appelle Miles Morales. Pourquoi ce nom me dit quelque chose? C'est son père qui a été décoré à l'hôtel de ville quand... Ah. Je lui ai parlé le jour de l'enterrement. C'est quelqu'un de bien, mais il traverse un moment difficile. J'ai connu un jeune homme comme ça autrefois. Je me rappelle que ça m'a pas mal aidé de faire des choses. Ça pourrait l'aider aussi. Voilà le numéro de sa mère. Merci. Je lui passerai un coup de fil. Et t'as pas eu de nouvelles de Monsieur Lee? Non. Pourquoi? Pour savoir. J'ai encore quelques minutes devant moi. Je vais aller faire un tour et voir si je peux faire quelque chose pour t'aider. Oh, tu n'es pas obligé. Je sais, mais j'ai envie. Je devrais vérifier le bureau de Lee. Besoin d'un coup de main pour les légumes? J'ai appris il y a bien longtemps que tu me rendrais plus service en t'éloignant des fourneaux. Tu veux que j'appelle Madame Morales d'abord? Ça ira. À mon avis, ça lui fera du bien de parler à quelqu'un qui a traversé la même chose. Tu me dis si t'as des nouvelles de Monsieur Lee, ok? D'accord.
Le pauvre, je me tracasse pour lui. Il se tue à la tâche, ça doit lui peser énormément. Pete, je suis content que tu ailles bien. Ouais, je m'accroche. Ah, son bureau est fermé à clé. Comment je fais pour rentrer ? Discrètement. Je me sens plus en sécurité maintenant. Il y a peut-être un conduit de ventilation ? J'avais encore jamais vu cette pièce. Wow, c'est quoi ça? Des lignes de tension? Pourquoi autant d'électricité? Je comprends, mais le numéro de compte se trouve dans le bureau de Monsieur Lee et il est injoignable. Je vous rappellerai dès que j'aurai l'information. Non, je ne peux pas vous donner de délai. Que ferait Ben dans un cas pareil? Cette pièce que j'ai aperçue plus tôt, elle devrait être juste de l'autre côté de l'hôtel. C'est l'histoire de fantôme que son père lui lisait. Celle d'un démon qui ne pouvait être maîtrisé que par la voie de l'équilibre. Lee a tellement fait pour New York. J'imaginais pas qu'il était hanté par de tels démons. Journal de Lee. Une clé. Je me demande ce qu'elle ouvre. Il manque la photo sur l'hôtel. Une sorte de serrure à énigme? Ça m'a l'air bon. Ah, je vois. Yes! Wow. Qu'est-ce que vous cachez, Ellie? Je sens mon
pouvoir qui augmente, nourri par ma colère. Mon père dirait que je m'écarte de la voie de l'équilibre, mais il n'a jamais compris. La seule façon de combattre un monstre, c'est d'en devenir un. C'est flippant. Wow. C'est le dossier qu'MJ a trouvé à la salle d'enchères. Ça pourrait nous aider à comprendre les intentions de Lee. C'est une chambre de combustion pour détruire l'épreuve. Encore une. Si la police avait trouvé ça, ou mais, j'ose même pas imaginer ce qui serait passé. Bon, comment je sors de là ? Bonjour, Peter. Monsieur Lee ? Je croyais que vous étiez parti. Tu as trouvé ce que tu cherchais ? Martha, vous êtes là. Je vais prendre ça. Merci. Mais je ne vais pas pouvoir rester, hélas. Je passais juste prendre quelques affaires. Vous avez sûrement appris pour l'hôtel de ville. Oui. Une tragédie. Peter y était. Il a eu beaucoup de chance. À un meeting d'Osborne ? Je ne savais pas que tu le soutenais. Enfin, tout ce qui compte, c'est que vous alliez bien, tous les deux. Exact. Mais les terroristes courent toujours. Qui sait ce qu'ils feront ensuite ? Oh, je ne crois pas que May et toi y aient quoi que ce soit à craindre. Tant que vous ne vous aventurez pas là, vous n'avez rien à faire. Bon, je dois y aller. Vous revenez quand ? Dès que j'aurai terminé. Non! Watanabe ? J'ai enfin les preuves qu'il vous fallait. Allez au centre Fist de Chinatown. Et qu'est-ce que je vais y trouver ? Une dame adorable appelée May Parker. Et des trucs très bizarres cachés dans le bureau de Lee. Mais écoutez ça, il a prévu une nouvelle attaque. Où ça ? Et quand ? J'en sais rien. Mais il va se servir d'un truc appelé le souffle du diable. Ça a l'air radical. Qu'est-ce que c'est ? Une substance créée par Oscorp. Sûrement une sorte d'arme biologique. J'ai un dossier complet là-dessus. Je le garde au chaud pour l'instant, mais je vous envoie une copie dès que possible. Ok, on fouillera son bureau. Si les preuves sont assez solides, je lancerai un avis de recherche. Salut MJ. Je vais aux nouvelles. Hé, Peter, est-ce que je peux te rappeler ? Écoute, ça devrait t'intéresser. Pourquoi tu chuchotes ? C'est juste que je suis un peu occupé là. On fait le point autour d'un dîner chez moi ? Pas de problème. C'est moi qui cuisine. Super, à toutes. Attends, tu te souviens quand tu m'as parlé du pouvoir de corruption par le toucher ? Je crois que je viens de le voir. Ah ouais ? De très sympathiques SDF m'ont sauté dessus. Bon, le truc, c'est qu'ils avaient les yeux brillants.
Et ça m'a rappelé ce que Yuri avait raconté sur le garde qui a libéré Shocker. Donc Shocker travaillait bien pour Lee. Alors tout est lié. Et c'est pas tout. Mais j'imagine qu'on en reparlera au dîner. Ouais, à plus. Un dîner. Alors, qu'est-ce que je vais préparer ? Ah, bonjour docteur, comment ça va? Peter, excellente nouvelle, bien vite au laboratoire. Maintenant? C'est le moment des Yeezy. Ah, j'ai hâte de te montrer ça. Super, mais j'ai un dîner prévu. Je peux passer un peu plus tard? Ton dîner attendra, il faut que tu vois ça, Peter. D'accord. J'arrive tout de suite. Je me demande si ça veut dire que j'ai à nouveau un boulot. Je peux y faire un tour, juste quelques minutes. D'après mes sources dans la police, les démons seraient les suspects numéro 1 de l'explosion à l'hôtel de ville. Si c'est bien le cas, je retire ce que j'ai dit sur l'innocence de Spider-Man dans cette affaire. Il serait, au minimum, partiellement responsable. Car l'élimination brutale de Wilson Fisk a créé un appel d'air dans lequel les démons se sont engouffrés, telle une ignoble toxine. Les actions ont des conséquences, les amis. Chose que Spider-Man n'a jamais comprise. Ici le central de sable. La chef nous demande un point sur la situation à Chelsea. Transport sous les tirs ennemis, je répète, on nous tire dessus. Je vais donc choisir d'aider ceux qui n'ont pas fait exploser l'hôtel de ville. Si vous voulez pas qu'on s'acharne sur vous, évitez de faire exploser la ville! Les démons allaient écraser les agents de sable. La prochaine fois, laissez tomber. Désolé les gars, mais je me sens un peu obligé d'intervenir dans ces cas-là. À toutes les unités, nous sommes à la poursuite d'un fourgon pouvant contenir une bombe. Intervention immédiate demandée dans Chelsea, terminée. C'est le dimanche, pas vrai? Wow!
permis pour ça. Terminus! L'arrêt des véhicules a activé une bombe. Je dois la désamorcer. Eh, hey, ces démons ont sûrement une assurance tout risque de fou furieux. Bonjour, docteur. Bonjour, Peter. Je suis à toi tout de suite. Wow! Je vois qu'il y a du nouveau. Il faut vraiment qu'on optimise. Où vous avez eu tout cet équipement? J'ai appelé des gens, j'ai fait quelques emprunts. C'est comme si on recommençait tout à zéro. Mais cette fois, ce sera différent. J'ai de la chance que le doc m'ait laissé déposer des affaires ici après mon expulsion. Oh, Peter. Elle va me manquer, cette vilaine bouille. La dernière fois que j'ai affronté Scorpion, il m'a demandé si je savais à quoi ressemblait l'intérieur de mon crâne. Et il m'a proposé de me le montrer. Un vrai bouton train. Electro est le premier vrai super-vilain que j'ai affronté. Avant lui, j'avais eu que des types normaux en costume. Electro, c'était un autre niveau. Rien à voir. Une brute de la mafia transformée en tank sur pattes. Si on cumulait tous les dégâts causés par Rhino, on pourrait détruire 3 fois Manhattan. Vulture est sans doute le plus futé de tous. Bon, pas assez pour éviter 3 condamnations à vie consécutive, certes, mais futé quand même. Notre premier volontaire, le première classe Texidor. Il avait perdu un bras à la guerre. Il aimerait tellement prendre sa fille dans ses bras. Vous n'avez pas chômé? Ce n'est que le début. Tu vois, j'ai abordé la question des prothèses sous le mauvais angle. Pourquoi se contenter de rendre aux gens ce qu'ils ont perdu, quand on peut leur donner plus? Ok, je pense que ça devrait être bon. Tu es prêt? Y a un problème ?
innocent! C'est de ta faute, Norman, espèce de seul! Eh ben, il n'aura pas votre vote aux prochaines élections. Désolé. Je fais souvent des blagues pourries, quand l'atmosphère est tendue. C'était très drôle, Parker. C'est moi qui réagis de façon excessive. Vous êtes sûr? On devrait faire une pause. Je vais nettoyer tout ça et préparer le prochain test. Dites, je veux pas être indiscret, mais vous vous connaissez depuis longtemps, vous et Norman? C'était mon binôme de labo à l'université. On est devenus amis. On a fondé notre société. Nous voulions tous les deux changer le monde, mais pas de la même façon. Quoi? Vous étiez chez Oscorp au tout début? C'est en partie de moi que vient le nom Oscorp. À la fac, tout le monde nous appelait les Oses. On a ajouté Corp et voilà. Ça sonnait plutôt bien. Et pourquoi vous êtes parti? Norman est devenu obsédé par la génétique. Il a lancé un projet que je considérais immoral. Et puis il y a eu... Au final, les avocats s'en sont mêlés. Je suis parti en échange d'une compensation. Mais cet argent n'a pas fait long feu. Et depuis, je vis de subventions. Si ce projet n'aboutit pas... Vous en faites pas, ça va marcher. Attendez, je vais réparer ça. Je vais refaire du café. Pense à faire un diagnostic de l'unité centrale. Il y a peut-être un court jus. Pas top. Je dois dévier ce circuit.
Oh, si tu prenais les commandes cette fois. Je crois qu'on a réussi. Maintenant, l'interface neurale. C'est beaucoup de travail pour un seul homme, à mon avis. Vous êtes sûr que ça ira ? J'ai bien des doutes après le fiasco d'aujourd'hui. Parce que si je vais travailler ailleurs... C'est que financièrement... Je sais, ça fait rien. Je vais me débrouiller. Et puis, peu importe l'argent, on essaie de changer le monde. Un monde meilleur. Un appel manqué d'MJ. Docteur, je dois y aller, mais je repasserai tout à l'heure. T'en fais pas, il restera bien assez de travail à ton retour. Cool. Un contrôleur logique pour les micro-câbles auxquels le doc réfléchissait. Ces trucs sont fantastiques. Tellement plus polyvalents que les mécanismes à axe fixe traditionnels. Qu'est-ce que c'est ? C'est le grand jour. Audit du comité de subvention. Nous sommes prêts. Nos travaux ont avancé à un rythme inespéré. Je ne pensais pas qu'on parviendrait à ramener l'actionneur de traction à un seuil de tolérance acceptable, mais par cœur, ce garçon peut faire des miracles avec trois fois rien. Alors que j'étais prêt à commander une pièce détachée sur mesure, il est revenu du magasin de bricolage avec une bouteille de solvant et une brosse à dents. Et bingo ! Problème résolu. Ce petit est un génie. Un génie toujours en retard. Déjà 10 minutes. Où est-ce qu'il est ? Il n'a quand même pas oublié l'audit. Désolé de vous avoir lâché, Doc. Qu'est-ce que c'est que ça, Doc ? On dirait un blindage ? Des prototypes de protection. Ah, c'est fascinant. IEM a demandé des échantillons de mon travail. Je ne peux quand même pas les priver de mon génie. Je plaisante, bien sûr. Je me demande si on pourrait imprimer un lance-toile en 3D. Oh, c'est dingue que j'y ai jamais pensé. Doc travaille sur une sorte de système d'injection hypodermique. Peut-être pour contrer les rejets d'implants ? C'est plutôt gros comme aiguille. Attendez, est-ce que c'est le Raft ? Vous travaillez pour la prison Supermax ? Oui, ils ont lancé un appel d'offres pour moderniser leur réseau de sécurité et je crois que je vais tenter ma chance. C'est un contrat lucratif et passionnant du point de vue scientifique. Thank you.
du graphène, mais avec une structure particulière. Qu'est-ce que c'est ? Énorme! C'est un nanotreillis. Oh, c'est costaud! Ça ferait un super élément structurel pour une prothèse. Peter, on s'est concentré sur le remplacement des membres, la reconnexion des nerfs aux extrémités sectionnées, la reproduction des fonctions de la partie perdue. Et si on donnait plutôt aux gens quelque chose qu'ils n'ont jamais vu? Quelque chose qui vient de l'esprit? Si on se détachait tous du corps dans lequel on est né et qu'on libérait la puissance incroyable de notre esprit? Désolé, j'ai loupé ton appel. C'est toujours bon pour le dîner ? Le dîner ? Ah, ouais, je t'appelais pour autre chose en fait, mais... ouais, on devrait en parler à table du coup. Mon offre de passer faire la cuisine est toujours valable. Ah bon ? Ok, j'aime vivre dangereusement. Je suis pas rentrée, mais je passe acheter des trucs et je te fais signe quand je suis chez moi. Ok, à plus. Un genre de grosse chaussette. Très bien. Dîner chez MJ, en jeunie, maman. Je vois mal comment je pourrais me foirer. Bon, je vais trouver de quoi m'occuper en attendant qu'elle appelle.
Là. Sincèrement, entre nous, vous avez eu une enfance difficile ? Un papa démon trop présent ? Une maman démon négligente ? On aurait besoin d'autant de liquide. Aux agents déployés à Rosvale, ici Centrale, quelle est votre situation? Besoin de renfort à l'avant-poste Foxtrot, on se fait canarder! Lucia croit qu'elle joue avec moi, mais j'apprends quelque chose à chacune de ces scènes. Le voilà. Un grand avocat vit ici, je crois. Il doit chercher de nouvelles cibles parmi ses clients. Ça me fait mal de le dire, mais elle est sacrément futée. Coucou, MJ. Bon, je suis passée faire quelques courses pour le repas. J'ai hâte de voir les cuistots à l'œuvre. J'arrive dans pas longtemps. Tu vas en prendre plein la vue. Quelle est notre situation à Hudson Yard? Notre transport est pris pour cible par les démons. Ah, c'est le brouilleur que j'ai bricolé pour détraquer les ailes de Vulture. Dommage qu'il les ait améliorées après.
démons ne se cachent plus. Ils attaquent la police en pleine rue maintenant. Les gars, le coup de la destruction de New York, on l'a déjà fait. Que Martin Lee incite des hommes à attaquer la police. Honnêtement, Triple J, je pensais que vous exagériez les dangers qui menaçaient la ville. Mais depuis l'explosion à l'hôtel de ville, je dois bien admettre que vous aviez raison. Beaucoup d'auditeurs me disent la même chose. Ils me félicitent. Mais je suis pas là pour qu'on me félicite. J'aurais adoré avoir tort. Ou mieux encore, que ceux qui sont au pouvoir m'écoutent et fassent quelque chose. Mais on ne m'a pas écouté. Et je pense pas que ça changera. À moins que des citoyens engagés, comme vous et moi, fassent suffisamment de vacarme. Manifestez-vous. Reprenez votre ville. C'est notre seule et unique garantie de justice. En plus d'écouter mon émission tous les jours. Avis à toutes les unités, on nous a signalé une attaque en cours. Intervenez dans le nord d'Houston. Tu m'as pas lancé. Y'a que les lâches qui s'en prennent aux gens comme ça. Tous les coups sont permis ? Cool ! Ugh.
Super fenêtre. Mais j'ai toujours l'impression qu'il se passe des trucs étranges derrière. Quelqu'un s'y continue! Vous avez braqué une épicerie, ligoté son propriétaire et volé son véhicule! Arrêtez! T'es pas au téléphone! Déjà ça! Allez, Spider-Man! Hey, ça c'est pas sympa! Bienvenue au drive! Encore des malfrats ? Ils se sont donné le mot ? Notre Spider visite guidée de New York. À toutes les unités, nous avons reçu une alerte à la bombe. Besoin d'unités près du Civic Center. J'ai reçu une information intéressante aujourd'hui. Vous vous souvenez de ce monstre qu'on appelle Rhino ? Eh bien, apparemment, il a failli s'échapper de sa cellule du raft la nuit dernière. Alors comment, me direz-vous ? Eh bien, personne ne semble le savoir. Mais on m'affirme qu'il a été déplacé dans une cellule plus sécurisée. Je ne suis pas un expert en prison de très haute sécurité, mais il me semble que le principe, c'est qu'il n'y ait rien de plus sécurisé. C'est un psychopathe de 350 kilos, avec une corne indestructible. S'ils ont une cellule plus sécurisée, pourquoi il y était pas déjà ?
Peter! Tu vas jamais vouloir me croire. Tu sais l'adresse que tu m'as donnée. J'y suis allée. Oh, MJ. Je sais, mais attends. Qu'est-ce que c'est? Écoute. C'est l'adresse que Peter a trouvée. Il porte des armes à feu. C'est quoi cet endroit? Dans ce bureau, il pourrait y avoir un élément en rapport avec lui. Il faut que j'entre dans ce bureau. Hein? C'était quoi? Encore un qui est né avec deux mains gauches. Je suis sûr que c'est Happy. Vraiment le patron. Il faut que j'entre dans ce bureau. Lily finance la nuit. C'est gagné. Que des échantillons. Le patron bosse encore sur le mélange. Et je te jure, ça envoie. J'entends. Qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Mes yeux me jouent des tours. Tout en douceur. Quel genre d'engin a besoin de pneus aussi gros? Elle est où? Je suis sûr que je l'avais laissée là. Cet endroit me file les jetons. Hé hey, quelqu'un a vu la clé de 12 quelque part? Hey, j'ai entendu un truc. C'était quoi ce bruit? Qui est là? C'est quoi ça? Un genre d'équipe. Le bureau doit être à ma droite. Il faut que j'avance prudemment. Hé, quelqu'un a pensé à racheter de la bière? Hé, mec. Pourquoi le patron tient à ce point à ce qu'on mette des puces GPS partout? C'est pour protéger la cam. Il veut pas que la recette du greffe Dust sorte ici. Ouais, il est un peu parano. On te demande pas ton avis. Au boulot. C'est bidon, c'est l'important. Hey, Alchemax? Pourquoi ça me dit quelque chose? Quand on aura acheté les bidons vides, le patron veut qu'on les balance tous dans le marais avant la semaine prochaine. Il tient à garder le greffe d'ost sous la table, on dirait. Rien. Sous la table, le plancher. Qu'est-ce que c'est que ça? Patron, vous m'aidiez! Tombstone. C'est vrai, Eric. Il verra rien. Parce qu'il n'y aura rien à voir. C'est pas vrai! J'ai dit que j'arrangerais ça!
Voyons si ça va durer. Quelle cruelle déception. J'ai besoin d'un nouveau soudeur. Je ne peux plus reculer. Je dois entrer dans ce bureau. C'est moi ou pas, oui, là-bas, quoi. Nolly. Des plans. Un VBT. C'est ça qu'ils construisent pour Ali. Mais pourquoi ils auraient besoin d'un véhicule blindé? Il doit bien y avoir... Et voilà. Des balises GPS. Pourquoi Tombstone en aurait besoin? Ok, les gars. On s'arrache. Prenez le matos dans mon bureau. C'est l'heure de partir. Bon, c'est là que je te dis de jamais recommencer, mais je sais que tu m'écouteras pas, alors... Tiens. Emporte ça la prochaine fois. Cool. Merci. Tu le sais que Tombstone est fou et presque invincible, pas vrai? Tout le monde a un point faible. Le mien, c'est... Ce que t'es en train de préparer. Ça sent trop bon. Poulet au curry. Y a plus qu'à faire mijoter. Pas de boulettes, j'espère. Tu me laisseras jamais oublier ça, pas vrai? Non. La grande débâcle des boulettes. Quand je pense qu'ils ont évacué tout l'immeuble. Ouais, et en janvier en plus. Des voisins m'ont détesté. Ouais, ils étaient soulagés quand on a rompu. Ouais. Bon. Parlons de ce que t'as vu dans le bureau de Lee. Ouais. On sait que Lee a une dent contre Norman Osborn. Ouais, mais... Pourquoi? Je sais pas encore. Mais apparemment, il prépare un truc avec le souffle du diable. On va savoir ce que c'est. Ouais. Je ferai des recherches. Dis, je me demandais... Si on faisait équipe... Tu veux être mon acolyte? Genre, la fille araignée? La femme araignée, la femme. Pas une acolyte. Une partenaire. Oh. Oh, pas encore. Eh, hey, c'est ton détecteur de crime. Effraction chez un particulier. Charles Standish. Ça me dit quelque chose. Oh, le comptable d'Oscorp. Attends, tu crois que ça a un rapport avec Lee? Désolé de partir comme ça. Tu vas laisser tes fringues par terre, dans la cuisine? Où est-ce que tu veux que... Là, posté sur le canapé. Bon, on se voit plus tard. Ouais. Salut, c'est moi. Il est dingue, ton curry. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur Charles Standish? Voyons un peu. Directeur administratif et financier chez Oscorp. Célibataire, collectionneur d'art. Et s'il a un penthouse dans cet immeuble, il doit être vraiment riche. Lee le cherche. C'est forcément lié au souffle du diable. Je vais faire une recherche complète sur tout ce fichier. Préviens-moi dès que tu trouves un truc. Je sens que Lee prépare quelque chose d'encore pire que l'attaque contre l'hôtel de ville. Du coup, on
on est partenaire ou pas? C'est un peu l'impression que ça donne. Partenaire? Ça rend pas mal. Ok. Alors, à plus, partenaire. Ça y est, ça commence. On m'informe que le trafic de drogue est en train d'exploser dans notre superbe ville. Et rien à voir avec les démons ou les anciens larbins de Wilson Fisk. Les criminels de tout poil gagnent en confiance. Comme je l'avais prédit, les rats sortent de leur trou, attirés par la faiblesse et l'opportunité. Personne n'a voulu m'écouter avant, pourvu qu'on me prête l'oreille maintenant. Faites attention à vous. Patrouille, enlèvement signalé. Agent dans le quartier de Nomade, répondez. Cette station collecte les données excédentaires des autres. On ne gâche rien chez Oscorp, même l'espace serveur. Bref, assure-toi que tout fonctionne correctement, sinon les autres stations ne serviront à rien. L'espace sur le serveur est insuffisant. Il est proche de la surcharge. Ça va déclencher le formatage et toutes les données d'Harry seront perdues. Je dois empêcher ça. Une minute. L'ESU a un serveur de secours qu'il n'utilise jamais. Il pourra se charger de l'excès de données. Mais je vais devoir réaligner les paraboles pour établir une connexion. Et vite! Le récepteur actif est facile à trouver. Bon, je dois trouver un autre lien dans le réseau. Voilà, j'ai plus qu'à continuer comme ça. Qu'est-ce qui prend tant de place sur les serveurs d'Harry? On dirait un séquençage ADN. Mais ça dépasse complètement le champ d'action des stations de recherche. Thank you.
Concentre toi. On se fiche de ce qu'il y a sur le serveur si tout est effacé. J'y suis presque. Je devrais voir le serveur de l'ESU maintenant. Je l'ai. Je vais pouvoir lancer le transfert de données. Si je me dépêche. L'air bon. Voyons ça. Ça m'a l'air bon. Ah, trop de latence. Voyons ça. Réglage s'impose. Ça m'a l'air bon. Bien. Voyons ça. Ça marche ? Tout est stocké en sécurité. Ça devrait permettre d'attendre jusqu'à ce que Norman accorde plus d'espace à Harry sur les serveurs. Il ne regrettera pas quand il verra sur quoi travaillent les stations. Thank you.
en a d'autres qui ont vu Spider-Man voltiger exprès à travers des volutes de pollution? Est-ce qu'on fait ça quand on est sain d'esprit? Je vais vous dire ce qui se trame, à mon avis. Quand j'étais dans la fleur de l'âge, les délinquants juvéniles sniffaient de la colle pour planer. Connaissant la moralité douteuse de Spider-Man et son goût pour les sensations fortes, je pense qu'il y a effectivement un parallèle à dresser. Mais inhaler des substances toxiques, ça endommage le cerveau, ce qui expliquerait bien des choses sur Spider-Man. Il virevolte dans la ville, défoncé au smog. Isis, on nous a signalé une bande de stupéfiants. Rendez-vous à Touchdown. Le badge de visiteur quand j'ai postulé chez Oscorp. Le salaire aura été sympa, mais le docteur Octavius me permet de vraiment faire avancer le monde. Signale une agression. Besoin d'unité vers Flatiron. Terminé. Quelqu'un se fait agresser. Eh, hey, vous auriez pu m'attendre ? Spider-Man. C'est mort ! Je dirais que les policiers ont besoin d'un coup de main. Bonjour.
doit y en avoir d'autres à l'intérieur. Bougez pas d'ici. Quelqu'un était pressé. Spider-Man. Vous êtes blessé ? Non, ça va. Mais vous devez retrouver Monsieur Standish, et vite. Ces types masqués l'ont enlevé et l'ont forcé à les mener chez lui, dans son penthouse, au dernier étage. Ok, bougez pas d'ici. Eh ben, content de vous voir ! Je trouve plus ma caisse ! J'aurais juré qu'elle était garée à cet étage ! Comment ça? Vous bossez là, vous aussi? Ah bah, il plaisante pas avec le gardiennage dans ce bâtiment! Tenté, mais raté. Pas la peine de prendre l'ascenseur, ils savent que je suis là. Mais je peux éventuellement me glisser par sa cage. Je devrais pouvoir rejoindre le penthouse par là. Ah.
Stay here, Wendy. Ok, j'y suis presque. Restons dans la pénombre. Voilà, doucement. C'est qu'il est haut, ce bâtiment. Des bombes incendiaires ? Sans blague ! Skid ! C'est pas bon, ça. Voilà Standish. Très bien. Et maintenant ? Entrez le mot de passe. Il a l'air à cran. Je devrais peut-être abréger ses souffrances. Honnêtement, je la trouve plus jolie cassée. Et dire que cette œuvre aurait pu rembourser mon prêt étudiant. Ok, c'est bon. J'espère que Standish va bien. Au bruit, ça avait l'air de coûter cher. Essayons encore une fois. C'est terminé. Qu'est-ce qu'il voulait ? Juste des documents financiers. Sur le souffle du diable ? Qui vous a parlé de ça ?
Pourquoi ils veulent s'en emparer? Je sais même pas ce que c'est. Monsieur Osborne le finance à coups de millions depuis des années. Mais il garde le projet top secret. Je suis le seul à avoir des traces écrites. Plus maintenant. On dirait qu'ils ont copié des fichiers vers un serveur sécurisé. Registre du personnel. Un certain docteur Isaac Delany. C'est qui, lui? Je l'ignore totalement. Mais c'est vous! Allez, allez! Non, ça se serait! Essayez de tomber moins vite! Je vous tiens! Tout va bien? Oui, je crois. Bon, cool. Vous savez, pour une cage d'ascenseur, c'est plutôt pas mal. Salut, Yuri. Tout va bien? Ouais. Mais le problème, c'est que Standish a pas eu le temps de me dire grand-chose avant que les hommes de sable arrivent et me chassent de là. Qu'est-ce qu'ils ont? J'ai l'impression que tout ce qui leur importe, c'est d'éviter qu'ils ne parlent. Parce qu'il est au courant pour le souffle du diable. Oui, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. J'y travaille. Je crois même avoir une piste. Une piste? Vous parlez comme un flic? Vous voulez dire... l'inspecteur Spider? Yuri? Oh, c'est pas sympa. Peter, qu'est-ce qui s'est passé avec Standish? Il est en sécurité. Ok, très bien. Et les démons? Il recherchait un nom. T'as de quoi noter? Ouais, vas-y. Docteur Isaac Delany. Ok. C'est qui? Et pourquoi lui? Ah bah j'espérais que tu me le dirais! Je m'en occupe, ce sera pas trop long. Oh, et avant que j'oublie, t'as zappé le mouchard de Tombstone chez moi. Je te le déposerai au labo du docteur Octavius. Bon, je te dirai ce que je trouve sur Delany. Ici le central de sable. Quelle est notre situation, un nomade? Avant-poste X-ray pris d'assaut. Salut, démon! Les démons veulent transformer cette ville en zone de guerre. Il n'y a pas question. Arrêtez, les gars! Vous faites peur aux pigeons! Message du doc. Désolé d'appeler si tard, mais mon esprit déborde d'idées. On l'a vu trop petit, Peter. Pourquoi remplacer les membres par des prothèses réalistes quand on peut les améliorer? Alors bien sûr.
sûr, les gens qui ont perdu un bras veulent le retrouver. Mais on pourrait leur donner encore mieux. On n'a pas à se plier au niveau du corps humain. On peut les dépasser. Réfléchis-y quand tu auras le temps. Doc se donne vraiment à fond. Tu vas pas nous faire un burn-out? Salut, vous auriez le temps de vérifier un truc pour moi? Non, mais si vous demandez gentiment. J'ai reçu un appel à propos d'une curieuse boîte sur un coin à Hell's Kitchen. Je pourrais prévenir les démineurs, mais si c'est juste le projet SBT d'un collégien. Ouais, je vois le truc, crise budgétaire, tout ça, tout ça. Et donc? Vous pourriez aller voir, s'il vous plaît. Vous avez dit le mot magique! J'espère que c'est le projet SBT d'un collégien. Ah, ça me manque cette époque. Les projets à l'école sont tellement plus faciles que dans la vraie vie. Touristes en otage. C'est pas une visite qu'ils sont prêts d'oublier. Appelez mon agent! C'est militaire, on dirait. Bizarre. Spider-Man, alors tu as trouvé l'un de mes points de géoloc? Qui êtes-vous? Mauvaise question. Il
il fallait se demander, peux-tu stopper les bombes que j'ai posées ? L'homme énigmatique a des points de géolocalisation aux quatre coins de la ville. Cet ordinateur pointe vers des bombes dans le district. Elles sont sur le point d'exploser. Je dois faire vite. Faut que je me dépêche de désamorcer les bombes. Celle-là, c'est bon. J'aurais pu faire mieux. Bon travail pour les bombes, mais tu insistes trop sur ton lancer. Ça affecte ta précision. C'est quoi votre espèce de jeu pervers ? Les jeux, je laisse ça aux enfants. Je suis un professionnel, et on me paie en tant que tel. Je pense que votre client gaspille son argent. Parfois, les informations valent plus que de l'argent, et j'ai beaucoup appris en t'observant. MJ, t'as trouvé quelque chose sur Isaac Delany ? Tiens, regarde la photo que je t'ai envoyée. C'est lequel, Delany ? J'en sais rien. Tu vas devoir aller à cette petite fête pour le découvrir. Ça tombe bien, j'ai déjà un costume. Individu masqué repéré en train d'armer une bombe. Le signalement provient de Clinton. Terminé. Belle composition, sans vouloir me vanter. J'ai eu un appel de tante May. Peter, j'ai parlé à la mère de Miles, et elle est ravie qu'il puisse travailler ici. La pauvre est en deuil, mais elle essaie de rester forte pour son fils. Elle a besoin de temps pour se... Des dodos. Je devrais entrer. Allez, trêve de galéjade! MJ, je suis sur le deuxième site. C'est dingue. Les démons se baladent avec leurs masques comme si de rien n'était. Je me demande comment ils se reconnaissent entre eux. Je vais essayer de voir ce qu'il cache pendant que tu joues les empêcheurs de tourner en rond. Ça va ?
Ah, salut! Vous devez être les joueurs remplaçants? Roulement d'équipe ? Ok, cool, parce que vos collègues, là, sont pas reluisants. Peter, cet endroit est censé être un atelier de fabrication de meubles sur mesure. Ça ressemble plus à un repère de trafiquants d'armes, à mon avis. Et en risque de te surprendre, elles n'ont rien de très artisanal. Les hipsters assassins vont être déçus. Ça me gonfle de vous voir débarquer. C'est que... Ah bah non, attendez. Eh si, si, ça me gonfle.